December heavy metal band Damage Plan took the stage at the El Rosa Villa. During their first set, toutes les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les rues de New York. Tupac Shakur dead in Las Vegas, ironically on this Friday the 13th. All right! Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du crime. À mes oreilles, ici Alex, aujourd'hui en compagnie de mon co-animateur, Monsieur Philippe. Comment ça va, Philippe? Hello! Ça va? Super content d'être avec toi. Et on a aussi une invitée cette semaine qui voulait. Qu'on a invité à venir participer avec nous, Karine. Karine Galland, oui. Comment ça va, Karine? Bien. Yes. Mais ça va bien. Ben, il faut pas. On est là juste pour avoir du fun. Ben, c'est ça que je me suis dit. Il faut sortir de sa zone de confort un petit peu des fois aussi. Là. Ben oui. Content que tu te lances avec nous autres pour peut-être une suite de ton bord. Là. Peut-être que ça va te donner le go pour te lancer. Là. Ben, il faudrait. J'en parle, puis je le fais pas. Fait que. Fait qu'on on va s'arranger pour que ça soit le fun. Yes. All right, Karine. Donc, tu viens de nous t'inviter, puis tu nous as amené un sujet pour une belle balade meurtrière. Je te laisse nous présenter ça, Karine. Merci. En fait, j'essayais de trouver quelque chose qui était quand même soft. J'avais pas vraiment envie de parler de filles violées et d'enfants qui se suicident pour ma première émission. Je laisse ça à Philippe, il est meilleur que moi pour mettre de la douceur là-dedans. Ah, c'est vrai. Beau compliment. Je vous décevrai pas aujourd'hui par rapport à ça. J'ai une histoire assez sordide, mais je ne vais pas insister trop sur les détails sordides comme d'habitude. Alors, aujourd'hui, je vous parle de la chanson Pretty Boy Floyd, qui est une chanson de Woody Guthrie, qui a été écrite en mars 1939. Fait que ça commence à faire un bout. Mais voilà. Les premières, je vais commencer avec mon anglais en plus, excellent en vous. Donnant le premier couplet de la chanson, If you'll gather around me, children, a story I will tell about Pretty Boy Floyd, an outlaw, Oklahoma, knew him well. Alors, si vous vous installez auprès de moi, les enfants, je vais vous raconter une histoire, celle de Pretty Boy Floyd, un hors-la-loi. L'Oklahoma le connaît bien. Donc, pour commencer, je vous parle de Woody un petit peu parce que c'est quelqu'un de super important dans la culture américaine. Il y a eu beaucoup d'influence et il y a des centaines de chansons qui ont fait suite à ses compositions à lui, en fait. Il est né en Oklahoma dans une famille aisée au départ, tout allait bien, puis là, ça a chié. Yes, sir. Ah ouais. Écoute, sa sœur meurt dans un incendie. Selon des sources, elle aurait mis elle-même le feu à ses vêtements dans une chicane avec sa mère, qui était atteinte de la chorée de Huntington. Aujourd'hui, on sait c'est quoi. À cette époque-là, on n'avait vraiment aucune idée de c'était quoi, mais ça créait une dégénérescence musculaire et de la démence. Donc, en 1926, sa mère est internée en hôpital psychiatrique. Et son père travaille au Texas et il ne revient juste pas. Donc, Woody se ramasse tout seul avec ses autres frères et sœurs à vivre dans des squats avec d'autres enfants délaissés. Dans ce temps-là, la DPJ puis les familles d'accueil, c'était pas fort, là. Fait que, ça te ramène à la réalité aussi, hein? Exactement. Là. Une enfance assez difficile. Là. Fait que finalement, il finit par aller rejoindre son père au Texas. Il est pauvre. Il peint des enseignes. Il est super bon, tu sais, mais c'est pas vraiment payant. Et à cette époque-là, il y a ce qu'on appelle le Dust Bowl. Ça, c'est une période où les éléments se sont déchaînés. Il y avait des tempêtes de sable. Les agriculteurs, ça marchait plus pendant toutes les récoltes. Personne n'avait d'argent. Et tout le monde quittait pour la Californie. C'est ce qu'on appelle, il y a beaucoup de gens qui sont partis de l'Oklahoma pour s'en aller en Californie. On les appelait les Hokies ou des hobos, vu qu'ils étaient un petit peu vagabonds avec pas d'argent. Sa femme le gosse un peu pour qu'il parte chercher de l'argent.
qui s'en va. Puis il se ramasse à Los Angeles dans un jungle camp. Ça, c'est tout un tas de tentes et de petites maisons en bois un peu tout croche qui étaient installées près des camps de travail, en fait, là. T'sais, il y avait des gens qui habitaient dans des maisons, mais là, il y a trop de monde qui arrive, là. Okay. Ils ont besoin de 30 travailleurs par jour, puis ils sont 300. T'sais, ben, ça marche pas. C'est là qu'il rencontre. Il écoute Joe Hill, qui est un anarchiste qui fait des protest songs déjà. Et Woody commence dans le camp à faire rire les gens, à écrire des chansons, à parler de la vie. T'sais. Puis il se fait engager par la radio. Fait que là, il va faire des covers à la radio. Puis à un moment donné, ben, il pousse une de ses chansons. Puis c'était un petit peu. C'est des protest songs. T'sais. Fait que les Ça commanditaires fait étaient pas. parler. Exactement. Fait qu'il se fait mettre dehors, sa femme fout le camp et il décide de s'en aller à New York. C'est là qu'il écrit la chanson This Land is Your Land, que c'est probablement la chanson la plus connue de Woody Guthrie. Obama l'a fait jouer à son investiture, à sa cérémonie d'investiture. C'est Bruce Springsteen. C'est dur à dire, ça. Voyons. Puis Pete Seeger qui ont joué la chanson. Bref, en 1943, il écrit son autobiographie pendant que lui il est encore en vie puis qu'il est capable, qui s'appelle Bound for Glory, qui sera le livre de chevet de Bob Dylan. Il a, fait que c'est ça, il a inspiré vraiment beaucoup Bob Dylan, qui a fait une chanson qui s'appelle Song for Woody. Il y a Billy Bragg qui a repris ses textes pour faire l'album Mermaid Avenue en 98. Et récemment, Dropkick Murphys qui ont fait un album qui s'appelle This Machine Kill Fascism. Still Kill Fascism. Parce que ça. L'album acoustique. Oui, non, c'est super intéressant. Je vais les rencontrer à Music for Cancer. Ça va me faire un beau sujet de Ah conversation. wow. Ouais, ça va être le fun. Là. Ça va être un gros nom qu'on réussit à aller chercher là pour le festival. Là. Ça va Génial. être très, très cool. Donc, ça, c'était la biographie de Woody. Écoute, j'aurais pu en parler pendant 3 heures. J'ai écouté le film, j'ai lu le livre. Je ne pourrais pas faire des chroniques comme ça toutes les semaines. Je me plonge beaucoup trop dedans, le sujet. C'est bien qu'il a tourné ça en positif au lieu de lui tomber dans le crime à toute cette déchéance-là là, qui est arrivée. Là. Il aurait pu facilement aussi virer de l'autre bord. Puis, mais à la place, il a décidé de faire de quoi de constructif avec son véhicule puis tout ça. Je pense que ça a quand même eu un gros impact dans sa révolte intérieure, tu sais, parce que c'est quand même ça qui ressort beaucoup de ses chansons-là. Il faisait des chansons pour dénoncer, mais il faisait des chansons qui parlaient aussi beaucoup des hors-la-loi. T'sais. Il n'a pas juste fait Pretty Boy Floyd, il a aussi parlé des Dalton, de Jesse James. Il voulait un petit peu aller chercher la révolte à l'intérieur des gens parce qu'il était vraiment beaucoup impliqué dans les unions, dans les syndicats à cette époque-là. Pour dire aux gens, sortez-vous de là. Fait qu'effectivement, il l'a pris positivement, puis il en est ressorti quelque chose de beau, mais je pense qu'il y avait une rage à l'intérieur qu'il fallait qu'il sorte à quelque part. Là, donc, hein, ça va plus vite que je pensais, finalement. C'est passionnant. Donc, Pretty Boy Floyd, qui est Charles Arthur Floyd, qui est né le 3 février 1904 en Géorgie. Déménage en Oklahoma, lui aussi, à 7 ans, à Atkins, qu'on appelait le Sweet Town, parce qu'il faisait de la mélasse et il y avait des champs de coton. Fait que là, sa famille travaillait dans les champs de coton. On s'entend que c'est quand même pas une vie agréable et facile, ramasser du coton toute la journée. Puis Charles, c'était déjà un petit Chris, mettons. Il y a 10 ans, la première fois qu'il vole des biscuits à l'épicerie,
et quelques années plus tard, mais il est encore très jeune, avec ses amis, il y avait la religion était très, très forte dans ce temps-là. Il y avait des messes à l'extérieur. Les cérémonies duraient vraiment longtemps, ça durait des heures. Les gens chantaient toute la journée jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de voix. Et ça n'avait pas rapport. Et Charles et ses amis en ont profité pour interchanger tous les bébés qui étaient couchés dans les chariots, parce que là, les bébés ne peuvent pas rester là. Fait que les parents couchaient Ah, les bébés avec eux. tabarnak. Et ça leur a pris jusqu'au lendemain matin pour réussir à rendre les bébés acquis de droit, en fait. T'sais. Je trouve que c'est Hey, quand la même pas. panique générale que ça a dû créer. Oui, il y a peut-être toujours un tout petit doute, quand même, tu vois. C'est-à-dire peut-être que je n'ai pas rappelé le mien, quoi. Il y en avait deux qui se ressemblaient vraiment. Puis là, Ouais. il y en a un qui est vraiment tendant. Puis là, tu te dis, ah ouais, peut-être que c'est pas mieux celui-là. Oh my god, c'est parfait ça. En mai 1922, à 18 ans, il fait un vol au bureau de poste. Il vole 350 penny, donc 350 sous noirs, au bureau de poste. Ça équivaut aujourd'hui à un vol d'à peu près 50 $, là, tu sais. C'est un petit vol, mais là, il se fait déjà prendre pour ça. Il se fait taper ses doigts un peu, mais ça va. L'Oklahoma, à cette époque-là, c'est un dry state. T'sais, c'est dans les débuts de la prohibition. Fait que lui, il travaille avec les moonshiners. Puis, c'est là qu'il se rend compte que le banquier et le pasteur ont aussi des moonshiners. Le moonshine, c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est un genre d'alcool de contrebande qu'on fait à partir de maïs, je pense. Puis, moi, je n'ai pas vérifié mes sources là-dessus. Je suis désolée, peut-être que c'est pas ça. C'est pas grave, là. Pas grave, l'important, c'est l'alcool de contrebande et que le pasteur en consommait allègrement. Et là, il se rend compte que, OK, là, les gens qui sont en situation d'autorité puis qui essayent de nous montrer qu'eux, ils sont bien, peut-être qu'ils ne sont pas vraiment. Fait que, il y a déjà, tu sais, on a vu qu'il y avait des amis qui étaient comme lui un petit peu, qu'il décide de voler une banque. Ça fonctionne. On commence de même, tranquille, tranquille. Quand même, tranquillement, on Après envoie 50 des pièces qu'on s'est fait prendre, pourquoi pas une banque? pour finalement, à 21 ans, en 1925, il braque un convoi qui transportait l'argent de la paye des employés des épiceries Kroger. Ça, c'était comme déjà un peu une chaîne d'épicerie à cette époque-là. Puis, il vole 12 000 $ de l'époque. Je ne sais pas ça fait combien aujourd'hui, mais si 3,50, c'était 50 piastres, 12 000 $, c'est beaucoup d'argent. Ils se font prendre. Son ami avec qui il avait volé raconte tout. Fait que là, il a pas vraiment le choix de plaider coupable. Il plaide coupable. Il est condamné à 5 ans de prison au Missouri State Penitentiary. Puis finalement, il va en faire 3 ans et demi là-dessus. Il va purger 3 ans et demi de prison là-dessus. Mais ça a été super difficile pour lui. C'est quelqu'un qui est habitué de vivre en liberté. Là, il se ramasse confiné. C'est un peu une école du crime aussi parce qu'il se retrouve avec des vrais méchants. Pendant ce temps-là, sa femme divorce. Lui, il fait comme non, là. Moi, je ne retournerai plus jamais en prison. Je vais mourir que retourner en prison. Donc, la fois d'après qu'il se fait prendre, parce qu'entre-temps, hein, quand il est ressorti, il connaissait une job, c'était voler des banques. Fait qu'il reprend sa job de voleur de banque. C'est Il pas se fait mal l'époque aussi des prendre. Mais, tu sais, on est en 1930, là, fait que on parle, on sort, on est dans la Grande Dépression, là, tu sais. La crise de 29, hein. Exactement, vient d'arriver. Les gens sont pauvres, tout le monde a de la difficulté à manger. Les gens veulent beaucoup aux banques aussi parce qu'il y avait de l'argent, eux, qui était placé à la banque. Et tout d'un coup, tu arrives à la banque, ils te disent cet argent-là n'existe plus. Pour un agriculteur qui travaille fort, que lui, quand il engrange son foin, il est là, son foin, là. Ça, là, il disparaît pas. Fait qu'il comprend pas pourquoi son argent disparaît, tu sais. Fait que
Je pense que le peuple en général n'était pas très offusqué quand une banque se faisait braquer à cette époque-là. Fait qu'en 1930, il est condamné à 15 ans de prison pour vol de banque, mais il saute du train pendant le transfert. Il se pousse, il prend. Je l'ai traduit par il prend le maquis pour que. Oui, c'est juste, hein, c'est bien. C'est vrai que je parle en français, j'écoute beaucoup trop de true crime. Ouais. Ça va être plaisir. Donc, là, il faut qu'il se cache. T'sais. Fait que, il part, il retrouve sa femme. Sa femme, elle l'aime encore. Fait que, elle dit, ben oui, viens-t'en. Fait que pendant 6 mois, il se cache sous le pseudonyme de Jack Hamilton. Puis il dit qu'il est traveling salesman, fait que c'est comme un vendeur itinérant, en OK, fait. ouais. Mais pendant tout ce temps-là, il continue quand même à voler des banques. Fait que son fils le sait. Son fils a toujours un sac d'argent en dessous de son lit, à l'insu de sa mère. Fait que il est bien, bien cool, là. C'est lui qui paye des crèmes glacées à ses amis, parce que personne n'a d'argent, sauf. Il dit, il restait là 6 mois et son fils. J'ai écouté une entrevue avec son fils, dans le fond, avec le fils de Pretty Boy Floyd. OK. Et, il disait que c'était les 6 plus beaux mois de sa vie, les 6 mois-là, que son père est revenu. Sauf que là, il faut vraiment qu'il se cache. Fait Il est que, recherché, là. il est recherché. T'sais. Puis, il a 4 000 $ sur sa tête, là. Fait qu'il a 4 000 $ de l'époque et on l'accuse de tous les crimes en Oklahoma. Parce qu'il n'y a pas une banque qui veut dire je me suis fait voler par un nobody. Tu viens de te faire un braquet, tu dis c'est Pretty Boy Floyd, tu sais, c'est. Le Je meilleur, quoi. peux rien faire. Fait que dans les paroles de la chanson, on en parle aussi, on dit Every crime in Oklahoma was added to his name. But many a starving farmer, the same old story told, how the outlaw paid their mortgage and saved their little homes. Ça, c'est là qu'on a commencé à l'appeler Robin des Bois, parce que on dit, on n'a pas de preuves vraiment de ça, mais on dit que quand il volait les banques, il mettait aussi le feu aux documents hypothécaires. Fait que là, les fermiers qui avaient pris des hypothèques sur leur maison parce qu'ils n'étaient plus capables de les payer ou sur leur ferme, ben, tout à coup, redevenaient propriétaires et ne devaient plus rien à la banque parce qu'il n'y avait plus de preuves de leurs transactions, en fait. Donc, là, les gens le cachaient. Ils pouvaient arriver dans une maison, demander à manger, on lui donnait à manger. En dessous du napperon, il laissait 100 piastres Ah, il avant était de. un héros, là. Un héros. À un moment donné, il entend dire qu'il y a une famille à Noël, c'est une grosse famille, ils n'ont pas d'argent. Il part, il s'en va à l'épicerie, puis il achète, il a rempli un panier complet, puis il est allé avec son panier d'épicerie à la famille pour leur donner ça, là, t'sais. C'était vraiment. Je pense qu'il devait en garder quand même beaucoup pour lui, mais il est très généreux. En même temps, quand tu es en cavale puis que tu as besoin vraiment de l'aide du public pour survivre, j'imagine que c'est plus facile d'être généreux avec les gens, là. D'avoir bonne réputation malgré tout. Exactement. Mais là, tout le monde en parle. T'sais, là, on a dit tantôt que tous les crimes en Oklahoma sont mis sur sa tête, mais tout le monde le connaît et tout le monde en parle. Puis tout le monde est d'accord pour le cacher. Ça fait bien parce qu'il va devoir se cacher encore plus, puisque le 9 avril 1932, il devient officiellement un meurtrier. Il y a beaucoup de crimes qui lui ont été attribués, mais on n'en est pas certain, sauf celui-là. C'est Irv Kelly, qui est un ancien shérif et un chasseur de primes, qui lui tend une embuscade parce qu'il sait qu'il va aller essayer d'avoir un rendez-vous avec sa femme. Dans la chanson, Guthrie dit, Pretty boy, grab a lug chain and the deputy grabbed his gun. In the fight that followed, he laid that deputy down. Hey, mon anglais est épouvantable, je Mais m'excuse. non, ça Philippe comprend tout, lui. après, non, mais c'est parce qu'après, ce sera à mon tour. Et donc, je vais aussi parler en anglais. Ouais, vous allez dire, mais non, c'est pas si mal. Faut que vous le chantiez, ça va mieux là, quand vous le chantiez. Écoute, Philippe et moi, on va se partir une chorale ensemble, ça va Ouais, être. ouais, ouais, ouais.
J'hésite encore à venir au Québec cet été, on va voir. Peut-être que je vais venir. On pourrait faire une petite chorale ensemble, les trois avec Alex. Tu vas chanter, Alex? Moi, j'ai pas de trouble avec ça, chanter, moi. Oh! Philippe, il nous réserve une danse et une chanson pour nos millions. C'est vrai. On approche le 300 000 téléchargements. Voilà. Tranquillement, tranquillement. Quelques années. Ça va falloir que tu te prépares, Philippe. Ouais, je m'entraîne déjà. Donc, dans la chanson, on dit qu'il s'est battu avec une bûche, mais là, c'est pas ça qui est arrivé pour vrai. Il y avait une mitraillette et il a tiré dessus. Mais là, les gens commencent à le chercher encore plus. T'sais. Il retourne dans sa ville natale et il s'en va tout bonnement chez le barbier, comme n'importe qui. Et là, les gens le reconnaissent et disent « Hey, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais en ville? » Là, je suis venu voler la banque, en fait. Puis là, tout le monde part à rire, puis il dit « Non, 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 pour vrai, à 3 heures, vous pouvez sortir, aller sur la place, vous allez voir, je m'en vais voler la banque, tu sais. » Fait que c'est effectivement ça qui, tu sais, le mot se passe, et tout le monde dit « Il va aller voler la banque, il va aller voler la banque. » Et tout le village se regroupe devant la banque. Et il s'en va braquer la banque. Puis en ressortant, ben là, le shérif ne peut pas l'attraper parce qu'il y a une marée humaine, on s'entend, de tout le village qui est en avant. Puis il ressortit de là comme si c'était un film ou une parade. Ou... Il rendu qu'il fait des stunts. Là. Ça me fait penser, je me rappelle pas de son nom. Là. Je pense que c'est un Français là, qui était comme le Spider-Man de la vraie vie, là, qui partait puis allait monter des buildings dans des villes, puis il était venu à Montréal, justement, il avait monté, puis là, c'était... Oh, puis là, la police l'attendait à chaque fois, mais c'était tout le temps des stunts où c'était... Ah, oh, Chris, il va-tu y arriver ou non? Puis tout le monde serait regroupé à ces affaires-là. Là. Pas d'ailleurs mort en tombant d'un building, ce gars-là. Je crois qu'il est mort, j'étais en train de penser à ça, il me semble qu'il est mort. Ça se peut. Ouais, ça va nous prendre... Ben là, tu sais, il a peut-être un peu couru après, si ça s'est arrivé, là. C'est un Darwin Award, là, tu sais, quelque part. Ouais. Ça arrive, là. Donc, en 1933, on lui impute le massacre de Kansas City. Le massacre de Kansas City, c'est une fusillade qui a eu lieu au Cavernous Union Station quand il y avait le transfert de Frank Jelly Nash, qui était un criminel très connu à cette époque-là. Et là, il y a une embuscade. Tout le monde se tire dessus. Il y a 4 officiers qui meurent, t'sais, dont 2 détectives, le chef de la police et un gars du FBI. Et Frank Jelly meurt aussi. Et les 2 tireurs qui étaient dans une voiture quittent. Là, J. Edgar Hoover saisit la balle au bon. Là, il se dit, toi, mon pretty boy, là, tout le monde t'aime. C'est terminé. C'est là que ça finit. Fait qu'il met ça sur sa tête, en fait. Il dit, c'est lui qui l'a fait. Fait que Hoover raffermit sa position en disant qu'il a raison de courir après et Pretty Boy Floyd devient l'ennemi public numéro 1. Sa face est placardée partout. Tout le monde le cherche. Là, il faut qu'il parte. Fait qu'il part 1 an à Buffalo. C'est long, puis c'est loin, puis c'est pas chez eux, puis c'est un gars du pays, fait qu'il décide de rentrer à la maison en Oklahoma le 19 octobre 1934. Il y a un accident de char en Ohio et il frappe un poteau. Mm. C'est peut-être un petit peu de moonshine d'impliqué dans l'histoire. Mm. On n'est pas sûr. Ça détend, tu sais, ça doit être stressant, là. Non. Écoute. Donc, il sort du char, puis il sauve lui et son ami. Son ami se fait prendre, mais lui, il a une chasse à l'homme de 3 jours dans les collines. Et pendant 3 jours, il court, il se cache, il dort à peu près un petit peu où ce qu'il peut. Et puis, il finit par se faire voir dans un verger 3 jours plus tard, le 22 octobre.
1934. Il y a d'ailleurs une scène du film Public Enemies avec Christian Bale, Ouais. qui est exactement cette scène-là où il se fait tirer. Mais dans le fond, on n'est pas certain. Il y en a un qui a pris le crédit, tu sais, Marvin, il a pris le crédit de ça parce que c'était comme l'agent numéro un du FBI à ce moment-là, là. C'est lui qu'on voit dans le film, dans le fond, là. C'est comme le gars qui aurait pogné toutes les malotrues de l'époque. Assurément, c'est pas lui, là. Ça, il n'est pas omniscient, mais le crédit, lui revenait à lui tout le temps. Donc, il meurt. Et il devient un peu comme, je sais pas si vous vous rappelez, les photos des policiers mexicains avec le cadavre de Pablo Escobar, là. Oui. Ben, là, ils ont fait ça. Ils l'ont installé sur un lit de velours. Puis ils se sont pris en photo avec tous les policiers qui pouvaient se prendre en photo avec, le faisaient. Et Fièrement. fièrement, fièrement. Mais c'était tellement quelqu'un que le peuple appréciait parce qu'eux autres, ils se rappelaient tout ce qu'ils avaient fait, l'argent qu'ils avaient donné, Les les papiers papiers brûlés. hypothécaires qu'ils avaient brûlés. C'était vraiment un héros pour eux, là. Fait qu'il y a eu 30 000 personnes à ses funérailles et on dit que les boutiques de fleuristes aux alentours se sont fait vider au complet. Bref, Woody Guthrie, dans le fond, a utilisé cette histoire-là parce que cette chanson-là, elle venait toucher les victimes de la Grande Dépression, tu sais. Ça leur permettait un petit peu d'exprimer leur colère contre les banques. Ça offrait de l'espoir, tu sais. Ça disait, tu peux t'en sortir. Et on n'oublie pas que Woody faisait des protest songs. Donc la fin de la chanson dit, Some will rob you with a sex gun and some with a fountain pen. Pen, franchement, pen. And as through your life you travel, yes, as through your life you roam, you won't never see a outlaw drive a family from their home. Fac, il y en a qui volent avec un sicou, puis il y en a qui volent avec une plume, fontaine, un crayon. Mais aussi loin que tu peux voyager, tu verras jamais un hors-la-loi mettre une famille dehors. Et voilà, c'était mon histoire. Ouais, À super propos. histoire. Ouais, vraiment, vraiment intéressante. Et j'ai beaucoup aimé aussi quand tu as parlé de Guthrie. Voilà, c'était vraiment intéressant d'avoir beaucoup de backstory sur le créateur de la chanson aussi. Voilà, vraiment, vraiment intéressant. Et en plus, ouais, c'est vrai qu'il y a un écho hein, entre les deux avec. Finalement, deux visages différents de la protestation. C'est un peu comme quand on discutait avec Kent du punk, hein, c'est soit la colère, soit l'ironie, finalement. Tu as soit la colère, soit la création. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Non, c'était super intéressant. Ouais, une belle histoire que je ne connaissais pas, moi. Fait que super content Ben, de moi non plus. la connaître. Je la connaissais pas non plus, pour vrai. Mais c'est ça qui est le fun de ce projet-là qu'on a commencé avec Philippe, là, d'aller chercher les histoires derrière les chansons. Des fois, il y a des chansons que j'aurais jamais pensé qu'il y avait peut-être une histoire ou que ça va tirer à quelque chose. Fait que c'est le fun de découvrir ça. T'sais. C'est sûr qu'on n'écoutera plus jamais ces chansons-là de la même façon, là. Non, exactement. Ouais. Il y a une dimension émotionnelle qui se rajoute maintenant. Ouais. Yes. Fait que pour closer notre premier épisode, je vous invite à plugger où est-ce qu'on peut vous suivre puis tout ça. Ceux-là qui sont sur Twitch, on vous revient dans 2-3 minutes avec un autre épisode avec Philippe qui va nous raconter quelque chose, mais. Durant ça, il y a les lives APP là, qui finissent demain, je pense. Un autre, en fait, il nous reste mardi demain et l'autre mardi d'après avant de prendre la route pour l'été et les spectacles. Fait Sur que scène avec Dropkick Murphys au Music for Cancer. Sinon, on va alimenter le Patreon pendant tout l'été quand même s'il n'y aura pas de Twitch, là. Fait que on va faire des histoires de chansons, on va vous mettre des petits trucs live, on va alimenter ça, le Patreon de Pépé. Puis Demain, je m'abonne.
All right. Puis toi, Philippe, le retour du scénario du pire tranquillement? Ben, alors oui, donc on a fait un hors-série. Donc il fallait faire un petit test hein, parce que j'ai repris, mais avec ma blonde qui a repris le relais. Hein, Julie voulait arrêter et elle était pas, on n'était pas sûr parce que finalement, il faut accepter une nouvelle voie et ça s'est super bien passé. En fait, le public a vraiment beaucoup aimé San, donc je suis très fier évidemment. Yes. On a changé aussi un petit truc, c'est que, et on le fera dans le prochain épisode aussi, il y a une partie du texte que je ne lui donne pas à l'avance pour qu'il y ait aussi beaucoup de spontanéité dans les réactions. Et voilà, et on prépare un épisode, mais j'en dirai plus dans l'épisode du Crime à mes oreilles. Parce que je vais faire en fait une sorte de diptyque. Il y aura une partie dans Du crime à mes oreilles et une partie dans le scénario du pire. Donc voilà, vous verrez. All right. On se laisse là-dessus. Puis pour ceux sur Twitch, on vous revient. Ça ne sera pas trop long. À tout de suite.